which yes there abide, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. Angélique, la musique, vous le dites souvent, c'est du vivre ensemble, de la diversité, de la joie. On vous écoute maintenant au Bataclan avec Youssou N'Dour. Vous avez été parmi les premiers artistes à vous y produire quand il a réouvert. Angélique Kidjo, vous pensez à la menace terroriste quand vous participez à ces grands concerts ou à des grands rassemblements? Mais nous vivons tous sous la menace terroriste maintenant, partout dans le monde où qu'on aille. Et moi, c'est la question que je me pose. C'est un groupuscule de personnes complètement dingues prend toute la terre en otage. Et on va me dire, avec toutes les armes qu'on a, qu'on arrive à vendre pour déstabiliser les pays les uns après les autres, on ne peut pas s'en débarrasser. Et ça, je ne le comprends pas. Il y a quelque part quelque chose qui me dérange. Retour un petit peu sur le passé. Il y a une époque, les artistes, ils avaient tellement de pouvoir, ils avaient la capacité de remuer le ciel et la terre pour faire tomber l'apartheid, peut-être, en Afrique du Sud. On l'a fait, oui. Libérer Mandela. Vous avez participé. Libération de Mandela. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas relancer un mouvement comme ça qui permettrait peut-être de rendre ces terroristes marginaux et incapables de nuire? Parce que nous sommes devenus tous silencieux, c'est tout. On est devenus silencieux dans nos conforts et que au jour d'aujourd'hui, il y a des répercussions sur les artistes qui utilisent leur voix. Quand on a tout fait pour libérer Nelson Mandela, il n'y avait pas de répercussions. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir de parole comme les artistes peuvent se retrouver avec une chasse aux sorcières des impôts qui vont commencer, surtout aux États-Unis, ça se fait, ça s'utilise beaucoup pendant le marcartisme. C'est comme ça qu'ils ont fait taire tous les artistes. Donc au jour d'aujourd'hui, avec Internet, on peut vous trouver partout ce que vous dites. Et moi je suis l'exemple parfait de ça, parce que toute ma vie, j'ai été contre les injustices, j'en ai beaucoup parlé, ça a impacté énormément ma carrière. Mais moi, je suis prête à sacrifier ça. Est-ce que tous les artistes sont prêts à sacrifier mais ça? Non. Angélique Kidjo, il y a des concerts comme celui du Bataclan. Pourquoi il n'y en a pas eu en Afrique? Il y a eu des attentats à Bamako, à Ouagadougou. À Ouagadougou, il y en a eu en Côte d'Ivoire. Quasiment tous les pays sont touchés. Et on n'a pas l'impression qu'il y ait une mobilisation comme il y a pu y en avoir ici. Parce que déjà, pour organiser un concert en Afrique, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour le faire. Et avoir du bon matériel pour le faire, il n'y en a pas. Donc ça, c'est déjà un frein à faire un grand concert pour fédérer tout le monde. En Afrique australe, non. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a des infrastructures qui le permettent. Mais l'Afrique du Sud ne peut pas non plus faire tout non plus. Donc, faut que nous, en Afrique de l'Ouest, on puisse fédérer autour de nous et faire un concert. Mais moi, c'est ça, ma frustration, c'est ça. C'est que des problèmes d'infrastructure, vraiment? C'est beaucoup ça. On ne va pas aller au stade sans le son. Si on veut parler au public, si on veut que le public vienne et qu'entende ce qu'on a envie de dire, il faut qu'il y ait une sono digne de ce nom pour que le public l'entende et qu'ils entendent la musique correctement. Angélique, est-ce que vous avez l'impression que c'est seulement un problème de sono ou qu'il y a un changement dans l'islam en Afrique? Il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Je parle pas de tous les musulmans, mais je parle d'une frange radicale qui est devenue de plus en plus importante. On a l'impression qu'aujourd'hui, si vous êtes un artiste qui est contre les extrémistes, vous n'êtes pas en sécurité. Probablement, mais la sécurité sans la vérité, ça n'existe pas. La sécurité sans prendre de risque, ça n'existe pas. Donc, moi, je dis toujours ceci. Pourquoi est-ce que le terrorisme est devenu la seule alternative à la démocratie?
Cette question, est-ce qu'on se la pose? Nous vivons dans un monde qui est tellement injuste. Il y en a qui est une minorité qui a le maximum et une majorité qui n'a rien. Donc, quelque part, les gens se disent, ouais, bof, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien, on peut mourir aussi. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée au Bénin. Il y a quelques années, ça, j'étais au Bénin, je vois deux jeunes qui s'approchent de moi avec un t-shirt sur lequel c'est marqué « Vive Osama Ben Laden ». J'ai dit « Non, mais attends, ça va pas, non ?» Vous n'allez pas venir me parler avec ça, ce t-shirt sur le dos. Il me dit, mais Angélique, tu comprends pas, Osama Ben Laden se bagarre pour nous les pauvres. J'étais là, tu as tout faux. Qui c'est qui t'a dit ça? Il m'a dit, c'est l'imam qui m'a dit ça. J'ai dit, l'imam veut que tu ailles mourir, mais Osama Ben Laden ne veut pas de ta liberté, ne veut pas que tu aies un futur meilleur, il veut que tu meurs pour lui, pour sa folie. Donc c'est ça, il y a un manque d'information. On peut pas dire aux gens, vous êtes dans le tort quand ils n'ont pas toute la... Il faut donner des informations aux gens, il faut être là. Après le 11 septembre, l'Afrique a été le continent qui a été laissé complètement aux mains des terroristes. J'ai toujours dit ça. En Afrique, parlons aux gens, expliquons-le ce qui se passe pour que les gens comprennent. Si on ne le fait pas, le terrorisme viendra en Afrique. Voilà. Du coup, l'intervention militaire dans la bande sahélo-saharienne, c'est quelque chose qui vous choque ou que vous trouvez finalement nécessaire vu l'urgence de la situation? Il faut intervenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas intervenir, mais il faut former aussi les militaires des pays. C'est-à-dire qu'il faut former les gens à lutter contre le terrorisme, les armées des pays. Où il y a le terrorisme, où ça peut aller, il faut commencer à former les policiers, les gendarmes, les militaires à comment lutter contre le terrorisme. Au jour d'aujourd'hui, les terroristes sont beaucoup plus armés que les armées qui sont en face d'eux. Alors, si on veut vraiment régler ce problème-là, il faut aider les pays africains à avoir une armée qui est suffisamment forte pour protéger les populations, qui puisse faire des stratégies de libération d'otages ou pour que les gens soient à un endroit sûr. On n'a pas ça. Donc, si c'est l'Occident qui doit toujours venir au détriment des vies de ces Occidentaux, moi, je veux bien qu'on nous aide, mais l'aide efficace, quand les gens participent à cette aide-là, c'est pareil pour l'aide économique aux pays d'Afrique. Si les gens ne participent pas, ça ne fonctionne pas. Ça doit être pareil pour l'aide militaire et la protection. Angélique, avant de nous quitter, on arrive presque au terme de cette émission. Qu'avez-vous pensé de cette petite heure que nous venons de passer ensemble avec RFI et Le Monde? Et est-ce que ça a été pour vous un moyen de partager avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, vos valeurs? Moi, je trouve que c'est important de faire des émissions comme ceci. Parce que l'Afrique, quand on en parle de l'Afrique, il n'y a pas souvent les Africains qui sont au micro pour parler de ce qui se passe, de la réalité qu'ils vivent au quotidien. Moi, je trouve, j'ai accepté cette invitation parce que je savais qu'on allait parler de choses beaucoup plus importantes qui nourrissent mon art. Parce que moi, mon inspiration, j'ai toujours chanté, depuis mon premier album, j'ai toujours chanté contre l'abus des droits de l'homme. Quand un être humain qui naît libre n'est plus libre parce que quelqu'un a décidé de prendre sa liberté, je dis toujours, les dictateurs sont tous des lâches. Parce que si tu n'as pas peur de ton peuple, tu n'as pas à le réduire au silence. Donc, que ce soit Erdogan, que ce soit Poutine, que ce soit la Chine, que ce soit... Tous ces pays-là, ils ne veulent pas que les gens aient la liberté parce qu'ils ont peur de leur peuple. Ils ont peur que ces gens-là leur disent, vous êtes dans le tort. Moi, la liberté pour moi n'est pas à vendre. Et je dis toujours, quand un être humain n'est pas libre, je ne suis pas libre. Un être humain qui souffre à des milliers de kilomètres ici, je souffre aussi. Et si on n'a pas cette empathie, et si on n'a pas cette ouverture sur le monde pour voir dans l'autre ce que vous êtes, on n'est pas des êtres humains.